Et débuter par d'abord, même avant la respiration, un petit étirement. Donc, poussez bien les talons à l'avant, étirez les bras à l'arrière, on inspire longuement en étirant et en poussant les talons. Et puis on relâche. On refait ça une deuxième fois. Poussez les talons, étirez les bras à l'arrière et relâche. Ensuite, on va poser une main sur le cœur, le thorax, ici, au niveau thoracique, et une main sur l'abdomen. Relâchez complètement déjà le corps, donc relâchez les pieds, relâchez l'abdomen, relâchez les épaules. Essayez de faire un mouvement, une petite analyse du corps. Déjà, commencez par bien se relâcher. Et on va débuter par des respirations profondes. Donc, on va inspirer longuement en commençant par gonfler l'abdomen, ensuite la cage thoracique, jusqu'en haut des poumons. Retenir quelques instants et puis expirer en commençant par le haut et en descendant petit à petit vers le bas. On va inspirer à nouveau. Rentrez déjà le menton, hein. Essayez de tirer la tête vers l'arrière, rentrez le menton. Et puis en expirant, petit à petit, vous allez essayer de rapprocher le nombril de la colonne et même de faire coller les lombaires petit à petit en expirant au tapis. Et puis on reprend son souffle, à nouveau inspirer longuement. Rentrez le menton, petite contraction du périnée. Expirez à nouveau, rapprochez le nombril de la colonne et collez la colonne au tapis. En expirant totalement, on va au bout de l'expire. À nouveau, inspirez. Tenir. Rentrez le menton, mini contraction du périnée. Et expirez. Rentrez le nombril, expirez totalement. Ressentez le contact de la colonne avec le tapis. Relâchez totalement. Les bras le long du corps. On se relâche. On va d'abord ramener le genou gauche sur le ventre, l'abdomen, enserrez le genou gauche dans les deux mains, poussez bien le talon droit vers l'avant, on va inspirer et expirer, amener petit à petit le menton vers le genou gauche, si vous pouvez vous toucher et vous engager la jambe droite, c'est-à-dire la jambe droite se décolle et on ramène la tête au tapis. On va inspirer à nouveau et cette fois, on va comprimer la jambe gauche contre le ventre. Comprimez bien la jambe au maximum de vos possibilités. Une bonne pression sur l'abdomen. Essayez de bien avoir le bas du dos qui colle au tapis. Rentrez le menton et tirez bien la colonne. Relâchez. Allongez la jambe gauche. Petit moment de relâchement. Et on va amener le genou droit sur le ventre. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Poussez le talon gauche vers l'avant. Inspirez. Expirez. Amenez petit à petit le menton sur le genou droit. Et poussez le pied gauche vers l'avant en décollant la jambe gauche du sol. Inspirez, expirez, comprimez convenablement la jambe droite sur l'abdomen au maximum de vos possibilités. Donc, à nouveau, essayez de bien ressentir le contact avec le tapis, aussi bien au niveau des omoplates, au niveau des lombaires. Comprenez, on doit engager pour ça les abdominaux, mais on utilise aussi la force des bras et on relâche.
on va allonger la jambe droite. On va cette fois-ci ramener les deux genoux sur, si vous voulez, du côté de l'abdomen, poser les mains sur les deux genoux et on va essayer d'assouplir à la fois les hanches, les hanches, et puis effectuer un massage du bas du dos, donc en tournant les genoux vers l'intérieur, hein, simultanément. Et puis on change de sens, et on essaie d'aller plus loin vers l'extérieur, de manière à bien travailler les adducteurs, échauffer les adducteurs. C'est important pour la suite de la séance, d'avoir bien échauffé toute la ceinture pelvienne. Et ensuite, on va laisser venir l'extérieur des pieds avec les deux mains. Et on va bien tirer dans un premier temps sur les pieds pour essayer de rapprocher les genoux du tapis et se balancer à droite et à gauche. Plus vous tirez sur les pieds, plus vous effectuez un massage en profondeur de la colonne. Je voulais également rapprocher les pieds de la tête, balancez-vous à droite à gauche, et puis éloignez-les, et balancez-vous encore à droite à gauche, essayez de ressentir les différentes vertèbres qui sont massées. Hein, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, hein, plus vous montez les pieds, et vous tirez les pieds vers vous, plus vous massez le haut du dos. Voilà. Ensuite, on va saisir le pied gauche avec les deux mains et on va essayer de ramener l'orteil gauche sur le front. Ceux qui peuvent faire un petit bisou à l'orteil gauche. Et on va relâcher le pied gauche, saisir le pied droit. À nouveau, amener l'orteil droit sur le front pour lui faire un petit bisou. Voilà. On va allonger les jambes, les bras le long du corps, et on va travailler la posture du chat d'aiguille. Donc, ramenez d'abord les deux talons contre les fessiers, au plus près des fessiers. Éventuellement, vous saisissez vos chevilles, vous ramenez bien les talons contre les fessiers. Ensuite, vous allez poser le pied gauche sur le genou droit, c'est-à-dire plutôt la cheville gauche, sur le genou droit. Passez la main gauche dans l'entrejambe et allez saisir, entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. On rentre le menton, le dos est bien collé au tapis et on tient dans cette posture classique du chat de l'aiguille, qui est une posture qu'on recommande après les trails, les courses à pied. Une bonne posture de détente, d'étirement. Ceux qui font de la course en pied, c'est très bon. Même la marche. Alors, pour aller un peu plus loin, on passe les deux mains devant le genou droit et on entrelace les doigts devant le genou droit. Et on tire sur le genou vers, on tire le genou vers soi pour bien faire travailler la hanche gauche. Et ensuite, on va tendre la jambe droite, hein, pointer le talon vers le haut. Et aller saisir le mollet droit ou bien le gros orteil droit avec index pouce et majeur et saisir le poignet droit avec la main gauche. Si vous avez une sangle, vous pouvez aussi passer la sangle dans le pied droit et tenir la sangle avec les deux mains. Tenir.
On va relâcher lentement. Allez poser le talon droit contre le fessier, talon gauche contre le fessier. Et ensuite, allez poser la cheville droite sur le genou gauche. Passez la main droite dans votre jambe, entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche. On décolle le pied gauche du sol. Par contre, la tête repose bien au sol. On rentre le menton pour bien étirer la colonne. Et pour amplifier un peu les étirements dans la posture, entrelacez les doigts devant le genou gauche. Et tirez le genou gauche vers vous. On va tendre la jambe gauche, bien pousser le talon de la jambe gauche vers le haut, donc on engage, et on va saisir le mollet, ou bien carrément l'orteil, le gros orteil avec l'index majeur et pouce de la main gauche, et saisir le poignet gauche avec la main droite, ou bien passer une sangle dans le pied gauche, peu importe. On va relâcher la jambe gauche. Allez poser le talon gauche au sol. Talon droit à côté du talon gauche. Allongez les jambes. Les mains le long du corps. Un instant de relâchement. Et puis on va venir s'asseoir pour travailler les flexions latérales. Alors, on va écarter les jambes au maximum de vos possibilités. Éventuellement, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'un petit coussin, une couverture, peu importe, juste un petit surélément qui vous permet de basculer le bassin, hein, donc avoir une petite bascule du bassin. Engagez bien vos jambes. Essayez d'avoir les genoux le plus proche possible du tapis. Soyez bien droit. Relâchez quand même les épaules. Et puis inspirez, levez les bras. On inspire. Expirez, on se tourne vers la gauche. Et on va laisser descendre en étirant vers l'avant les bras. Posez les bouts des doigts de chaque côté de la cheville gauche. Et ensuite, on va s'abaisser avec l'idée d'amener d'abord le ventre sur la cuisse gauche. Et on se laisse descendre, on prend le temps pour baisser petit à petit le ventre sur la cuisse. N'essayez pas d'amener directement la tête ou le menton sur le genou gauche, ce n'est pas important. Veillez bien à garder la jambe droite engagée. En général, quand on s'occupe de la jambe gauche, la jambe droite fait n'importe quoi. Donc, essayez vraiment d'avoir la jambe droite qui reste engagée également. Donc, vous connaissez le principe. Quand on inspire, on se redresse un peu et on expire, on baisse. Inspirez, se redresser lentement. Expirez, baisser.
pour vraiment se laisser aller dans cette posture. Pas forcé, c'est du yin yoga, donc on ne force rien, mais on laisse jouer la gravité. On laisse son corps petit à petit entrer dans la posture, hein, prendre conscience des résistances qu'on a dans le bas du dos, au niveau évidemment des ischio-jambiers, parce que là, évidemment, ça tire, également jusqu'au niveau des mollets. Et donc, ça se répercute. Il ne faut pas oublier que les ischio-jambiers, ça passe derrière, jusque dans le bas du dos. Alors maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ceux qui ne veulent pas aller un peu plus loin, continuent à se laisser aller dans cette posture. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, vont placer l'avant-bras gauche le long de la jambe gauche, d'accord, mais du côté droit. Vous posez l'avant-bras le long de la jambe, de cette manière. S'il n'est pas tout à fait posé, essayez quand même de vous laisser aller petit à petit de manière à bien poser l'avant-bras gauche. On va inspirer, élever le bras droit. Et expirer, amener la main droite, soit sur le sacrum, mais si vous êtes très flexible, vous essayez de vous rapprocher petit à petit de la hanche gauche et d'essayer d'aller crocheter la hanche gauche avec la main droite. Ça, ça dépend de chacun. Et on regarde vers le haut, donc pensez à la torsion. Donc vos épaules ouvrent, on ouvre la colonne. Dans maintenant le bras collé au tapis. On regarde vers le haut, on regarde vers le plafond. Et on reste dans cette posture plusieurs respirations. Éventuellement, chercher à perfectionner la posture. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, vont étirer à nouveau le bras droit vers le haut, laisser descendre le bras droit, si vous voulez, vers l'oreille droite, et essayer d'aller aller crocheter l'orteil du pied gauche avec la main droite et passer la tête en dessous du bras et regarder vers le haut. On va revenir lentement. Posez les mains d'abord de chaque côté de vos hanches. On se soulève légèrement. Hein, on recrée un peu d'espace entre les vertèbres. Et éventuellement, on se bouge un tout petit peu à droite et à gauche pour recadrer à nouveau la colonne. Il ne faut pas oublier qu'on a étiré pas mal de choses. Et donc, il faut parfois recadrer un peu les vertèbres afin qu'elles soient bien alignées. On va travailler l'autre côté. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, tendre les bras au maximum vers l'avant et allez poser le bout des doigts au sol. Donc, dans un premier temps, le dos, il est bien droit. C'est simplement d'amener le ventre sur la cuisse. On ne perd pas le contrôle de la jambe gauche. Reste engagé. Et tout autant que la jambe droite, on se penche en avant, ventre d'abord sur la cuisse droite. Essayez d'aller poser les avant-bras au sol, en se laissant aller. Voilà, ça c'est le but, mais on se laisse aller, on se laisse descendre. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin, comme tout à l'heure, comme de l'autre côté, on va poser l'avant-bras droit le long de la jambe droite, du côté gauche de la jambe droite. On pose bien son avant-bras au sol, plane bien au sol. On va inspirer, élever le bras gauche, regarder dans la direction du bras gauche et aller poser la main gauche, soit sur le sacrum, soit essayer vraiment d'aller crocheter la hanche droite de. Et on regarde vers le haut. On essaie de vraiment bien tourner
toute la partie scapulaire vers le haut, hein, comme si on voulait ouvrir sa poitrine vers le haut. Torsion. Alors, comme tout à l'heure, ceux qui veulent aller un peu plus loin vont élever le bras droit, le bras gauche, excusez-moi, amener le bras gauche sur l'oreille gauche et essayer d'aller crocheter l'orteil droit avec la main gauche, passer la tête en dessous du bras et regarder vers le haut. Relâcher, à nouveau se redresser, poser les mains de chaque côté des hanches et de nouveau créer de l'espace entre les vertèbres, rentrez bien le menton, tirez bien la tête vers le haut, soulevez-vous légèrement, hein, on s'étire un peu à droite et à gauche, là, petit mouvement droite, gauche, et puis on est pratiquement prêt à passer à la posture du jour. Le chat immense sa queue. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va se mettre d'abord sur la hanche gauche, sur le côté gauche. Reposer sur l'avant-bras gauche, les jambes les unes sur les autres dans un premier temps. D'accord? Parce que là, ça va. Donc, bras droit sur la jambe droite, bras gauche repose aussi. Hein, on va y aller progressivement. Comme ça, chacun peut avancer à son rêve. Ensuite, on va avancer la jambe droite vers l'avant, d'accord, pour la mettre, si vous voulez, de manière perpendiculaire à l'autre, 90 degrés avec l'autre joue. On va ramener le pied gauche vers l'arrière et aller saisir le pied gauche avec la main droite. On est toujours, si vous voulez, on repose encore sur l'avant-bras gauche. Et ce qui est, si vous avez déjà beaucoup d'inconfort à ce stade, restez dans cette posture. D'accord ? Vous reposez dans cette posture, tirez bien la jambe droite vers l'avant, le pied gauche est dans la main droite. Et petit à petit, si vous voulez aller de l'avant, vous allez vous pencher et vous mettre sur le dos, d'accord? Et essayer d'amener petit à petit les deux épaules aussi. Et si on veut vraiment aller encore plus loin, on va aller crocheter le pied droit avec index, pouce et majeur de la main gauche. Toujours essayer de mettre les épaules au sol et regarder du côté droit. Donc, dans une main, on a la main droite saisie le pied gauche, la main gauche saisie le pied droit, la jambe droite tendue, et on regarde du côté droit. Et on se relâche. Pensez au lâcher prise. On laisse son corps s'installer dans la posture, dans la durée.
On va commencer par lâcher le pied droit avec la main gauche. Ensuite, on lâche le pied gauche de la main droite. Et on va s'allonger quelques instants sur le dos. Se relâcher sur le dos. Prendre conscience du ressenti côté gauche et côté droit. Sensation côté gauche, côté droit. Vous verrez, il y a une différence nette entre le côté droit et le côté gauche. Que ce soit au niveau de la hanche, dos, de l'épaule et même de la cheville, de la jambe. On se prépare pour l'autre côté, donc on se met sur la tranche droite. Donc, jambe gauche sur la jambe droite. On repose sur l'avant-bras droit. Le bras gauche sur la jambe gauche. Et ensuite, on va avancer la jambe gauche vers l'avant. On va mettre dans une posture de 90 degrés par rapport à l'autre jambe. On va écrocher le pied droit avec la main gauche. Première opération. Si on est déjà trop dans l'inconfort là, on reste dans cette posture. D'accord? Mais si vous sentez que vous êtes confortablement installé dans cette posture, on va descendre tout doucement, tout doucement. Si vous voulez l'épaule droite au sol, allez essayer d'aller placer l'épaule gauche au sol. Descendre progressivement l'épaule gauche vers le sol. Et si on le sent bien, on va essayer d'aller crocheter le pied gauche avec les doigts de la main droite et regarder du côté gauche. Tenir. On va commencer par lâcher le pied gauche, les doigts, à nouveau venir se mettre sur le dos, relâcher quelques instants, à nouveau prendre conscience des différences de ressenti, de sensation côté droit, côté gauche. Épaule droite, épaule gauche. Hanche droite, hanche gauche. Jambe droite, jambe gauche. Et ensuite, on va venir s'asseoir sur les talons. Travailler un peu nos chevilles et nos orteils. C'est l'hiver. La plupart du temps, nos pieds sont enfermés dans les chaussures. Donc, travaillons d'abord nos orteils. Donc, vous allez pointer les orteils au sol, poser les mains en avant. Pointez les orteils au sol et venez vous asseoir sur les talons, de manière à mettre de la pression sur vos orteils. Si c'est trop intolérable, trop dans le confort, simplement posez les mains à l'avant et asseyez-vous avec, si vous voulez, une pression réduite sur les talons. Si vous êtes vraiment à l'aise, redressez-vous, mettez une pression maximale sur les orteils. Ça dépend de chacun.
cette manière, vous étirez au maximum toute la structure, si vous voulez, ligamentaire et des tendons au niveau des orteils, et même des chevilles. Hein. Les chevilles travaillent également, mais c'est surtout les orteils. Donc, prenez conscience si vous avez des douleurs dans un des pieds, dans un des orteils, peut-être quelque chose à faire là. La concentration, quand on est dans une posture comme ça, la concentration, elle doit aller au niveau des orteils. On ne pense pas à autre chose, on se concentre sur ses orteils. Qu'est-ce qu'on ressent au niveau orteil? Davantage de pression sur les gros orteils, l'orteil du milieu, le bord des pieds. Et on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons, quelques moments de répit avant de pratiquer la posture des chevilles. Donc ici, posez les mains à l'arrière et on soulève les genoux. On repose sur les chevilles. Donc les talons, les fessiers reposent sur vos talons. Et on soulève les genoux. S'il y a trop de pression à nouveau sur les chevilles, on pose les mains à l'arrière pour diminuer la pression. Si vous êtes à l'aise, posez carrément les mains sur les genoux et on a un maximum de pression, d'étirement au niveau des chevilles. Le principe du yin yoga, c'est que les façons de faire, d'étirer au maximum les tendons et les ligaments, va permettre de les renouveler par la suite. Et non, de corriger parfois aussi certaines déviations. On va poser petit à petit les genoux et on va travailler la posture de l'enfant, mais en écartant vos genoux au maximum. Donc vous allez écarter, donc on va s'asseoir sur les talons et on va écarter les genoux au maximum. Donc, premier temps, écartez vos genoux au maximum et asseyez-vous sur les talons. Deuxième temps, essayez de rester assis sur les talons. Et vous avancez les avant-bras au sol et vous venez poser le front sur les deux mains tout en restant en contact dans la mesure du possible, évidemment, d'avoir le contact fessier-talon. Okay? Et on pose le front sur les deux mains. On fait un travail d'ouverture des hanches, d'étirement des adducteurs, là. On va se redresser lentement, rapprocher les genoux et venir se mettre à quatre pattes pour la posture de l'enfant qui passe les huit. Donc on va inspirer, élever le bras droit, regarder dans la direction de la main droite, passer le bras droit en dessous du bras gauche.
Poser la tête latéralement au sol, reposer sur l'épaule et tendre le bras gauche à l'avant. On peut pointer ses deux orteils au sol ou poser les pieds sur le dos des pieds. Grande posture de relâchement, de relaxation, de lâcher prise. Donc, si des pensées vous viennent à l'esprit, des émotions, on lâche, on accepte. On ne se bat pas contre ces émotions, on les accepte. Alors, on va revenir à quatre pattes. En ramenant d'abord le bras gauche. Et puis, on va inspirer. Élever le bras gauche. Suivre le bras gauche au cœur, bien étiré, évidemment. Et ensuite, placer le bras gauche en dessous du bras droit. Poser la tête latéralement sans étirer le bras droit. Se relâcher. On va revenir à nouveau à quatre pattes. On ramène d'abord le bras droit. Et on va essayer de garder les hanches alignées sur les genoux. Aller vers la posture du cœur aimant. Donc on va tendre les bras à l'avant et poser le front au sol. Et travailler la cambrure du milieu du dos. Donc poser le front au sol. Tirer bien les bras et les mains vers l'avant. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, vont poser le front au sol, le menton au sol,
Et ensuite, on va tendre les bras à l'avant, tendre les jambes à l'arrière pour venir se mettre sur le ventre. On se repose en crocodile quelques instants, donc le front sur les deux mains. Et enfin, on va mettre les mains à hauteur du front, les avant-bras au tapis pour aller vers le sphinx. Donc, les mains hauteur de la tête, du front. Et ensuite, on va élever la tête, pousser la poitrine vers l'avant. Le nombril est collé au tapis. C'est une très bonne posture, mais si elle est mal pratiquée, on peut se faire du tort au lombaire en comprimant au lieu, si vous voulez, de se faire du bien en étirant. Donc, on pousse la poitrine vers l'avant, on ancre bien les avant-bras dans le sol et on pousse la poitrine vers l'avant en se redressant et en rentrant le menton. Inutile d'aller tirer sa vitale vers l'arrière. C'est mieux de rentrer le menton, ce qui permet un certain étirement de la colonne. Alors, on va aller vers le phoque. Donc, soit on maintient les mains là où elles sont, si on a une bonne flexibilité au niveau du dos pour des flexions arrière, soit on avance légèrement les mains et on tend les bras au maximum. Donc, les bras sont complètement bloqués, donc on n'a pas les coudes fléchis. Les bras sont tendus et on pousse à nouveau la poitrine vers l'avant, on rentre le menton. Les bras tendus, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant. Et essayez de coller le nombril au tapis. La cage thoracique est bien ouverte, donc on pratique des respirations profondes. On va relâcher tout doucement en fléchissant les avant-bras et poser le front sur les deux mains en crocodile. À nouveau, on va venir s'asseoir sur les talons, travailler le pigeon, le chien, d'accord. Donc, premier temps, on s'assied sur les talons et on va étirer la jambe gauche à l'arrière et s'asseoir sur le talon droit. Donc, on étire la jambe gauche au maximum de ses possibilités. On place les deux mains à hauteur du genou droit, hein, sur le bout des doigts éventuellement.
Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des blocs, si c'est plus facile. Donc, posez les mains sur les blocs, bien tirer la tête vers le haut, en tendant bien la jambe vers la jambe gauche, vers l'arrière, et on est assis sur le talon droit. Donc, le fessier droit sur le talon droit. Les mains reposent sur les blocs et on tire la tête vers le haut. Donc, on n'est pas trop penché en avant, on n'est pas trop si. On est vraiment bien étiré vers le haut, rentrer le menton. C'est un étirement du psoas essentiellement. Ensuite, on va avancer le pied droit vers l'avant. Ah, je glisse là vers l'avant et venir poser l'angle gauche sur le talon droit. Poser les avant-bras à l'avant et poser le front sur les deux mains. Et laisser jouer la gravité. Si on est très flexible, on peut avancer les bras à l'avant et carrément mettre la poitrine au sol. On va se redresser lentement. À nouveau, s'étirer vers le haut, quelques instants, et tirer à nouveau la jambe gauche vers l'arrière, voir dans quelle mesure on a gagné de la flexibilité, dans quelle mesure l'entrejambe s'est rapprochée du tapis, du sol. Hein, tirer bien vers le haut. Une dernière fois, maintenant que le psoas a bien été étiré, on sent qu'on peut aller un peu plus loin. Et puis on va ramener la jambe gauche et s'asseoir à nouveau sur les talons. Prendre quelques instants pour ressentir la différence côté gauche, côté droit. Hein? Essentiellement, un travail psoas, hanche, éventuellement un peu genou. Et ensuite, on va étirer la jambe droite à l'arrière et venir s'asseoir sur le talon gauche avec le fessier gauche et se redresser. À nouveau, vous pouvez utiliser les blocs. On s'étire bien vers le haut. On redresse bien sa colonne, on creuse le milieu du dos et on tire bien la jambe droite vers l'arrière. C'est ainsi qu'on effectue un étirement maximal du psoas. Le psoas, c'est celui qui concentre la plupart de nos peurs, se contracte. En plus, nos positions toute la journée, assises, contractent automatiquement le psoas également. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que le psoas s'est contracté. Et ensuite, on va avancer le pied gauche vers l'avant, de manière à insérer l'aine droite dans le talon gauche, sur le talon gauche, poser les avant-bras à l'avant, le front sur les deux mains.
Si on le souhaite, on peut avancer les bras, mettre la poitrine au sol. On va se redresser lentement. À nouveau, vérifier le gain en flexibilité. Hein, est-ce qu'on arrive un peu plus loin avec son entrejambe vers le tapis. Éventuellement, poser à nouveau les mains sur les blocs. S'étirer une bonne fois, encore une fois, vers le haut. Hein, on peut aller encore un peu plus loin tout à l'heure. Et enfin, on va venir s'allonger sur le dos pour une dernière petite torsion avant la relaxation finale. Donc, ramener les talons contre les fessiers, les bras en croix. Soulever légèrement les fessiers et se déporter vers la droite. Donc, fessier gauche légèrement vers la droite. Laisser descendre les deux genoux et les deux pieds joints, si c'est possible, vers la gauche. Et regarder du côté droit. Les épaules sont collées au sol. Ou tout au moins, on les laisse aller. Vers le tapis, de même que les deux genoux. On revient au centre. À nouveau, rapprocher les talons des fessiers. Soulever légèrement les fessiers. Déporter vers la gauche. Et laisser descendre les deux genoux vers la droite, pieds joints. Et on regarde côté gauche. Épaules collées au tapis. Inspirez, revenez au centre. Allongez les jambes, les bras le long du corps.
Dernière prise de conscience de l'ensemble du corps. Lâchez prise. On commence par le visage, le front, les joues, la mâchoire. Bien relâchée. Micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Toujours avec l'intention de relâcher les tensions au niveau de la nuque. Hein, on lâche prise là également. Épaule droite. Avant-bras droit, bras droit, doigt de la main droite. On micro-mouvement des doigts pour bien relâcher. Épaule gauche. Bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche, micro-mouvement des doigts de la main gauche. Fessier droit, mini-contraction du genou droit. On relâche bien la cheville droite, on la laisse tendre sur le côté, là, ça tombe un peu sur le côté droit. Micro-mouvement des orteils du pied droit, fessier gauche, contraction du genou gauche, mini-contraction, cheville gauche, on laisse le pied, si vous voulez tomber légèrement du côté gauche, micro-mouvement des orteils du pied gauche. Et ensuite, concentration sur la respiration abdominale. On va se rouler sur le côté droit. Et enfin, on va venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Je vous invite à remercier votre corps qui, comme je le dis souvent, est votre meilleur ami pour les messages qu'il vous transmet et pour terminer, nous allons chanter.